Par ici c'est terrible, terrible, terrible. Les petits veulent même plus de la terrible, terrible, terrible. Elle est mimi, mais plein de mimique, mimique, mimique. Et je prends la marque en tête, minique, minique, minique. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, je suis avec mon gars ZDV. Ça dit quoi, mon frérot? Calme, mon frérot. Tranquille. Déjà, on est où en fait là? Là, on est dans le 8e arrondissement de Lyon. On se trouve exactement à Villon. Donc, bienvenue à toi, mon frérot. Merci, mon ref. Merci en tout cas. Déjà, on va faire un petit tour ici après quand ça va ouvrir là. Ouais, t'inquiète même pas. Là. On va passer là après. Bon, gros, avant tout, je te laisse te présenter, frérot. Alors, moi, c'est ZDV, artiste du 8e. J'ai 21 ans. Ça fait 5 ans que je rappe. Et voilà, mon frérot. Et je suis dans le bolide noir, mat. Mais je suis passé par la haisse. Et puis j'en vois qui parle mal. Mais malgré tout ça, par ici c'est terrible, terrible, terrible. Les petits veulent même plus de la terrible, terrible, terrible. 5 ans que tu rappes, mais ça fait moins de temps que t'as commencé à envoyer, non? Ouais, ça fait moins de temps que j'ai commencé à envoyer en mode sérieux et tout. Là, ça va faire 2 ans. Avant, je prenais ça vraiment à la rigolade et tout. Mais là, je suis vraiment dans une optique où j'ai envie que ça donne quelque chose, tu vois. D'avoir des résultats, tout ça. Ça va, il y a eu un bon démarrage sur les premiers clips. Franchement, ouais, ça va, il y a eu un bon démarrage. J'étais plutôt satisfait des 2 premiers clips que j'ai pu envoyer. En plus, c'était la première fois que je fais des clips vraiment en mode tout seul et tout, tu vois. Ça fait quoi, j'étais vraiment bien content, ouais. T'as clippé où un petit peu ici, Bah là, on a clippé là. Ici, ouais. Là, frérot. Quand on va aller faire un petit tour aussi là-bas, on va voir les autres scènes. J'ai tourné Terrible ici. Après, j'ai tourné un autre type qui s'appelle Pamela. Je l'avais tourné en dehors de Lyon, celui-là, vers Montélimar. Mais sinon, là, j'ai clippé Tout va bene et Terrible, ici au quartier. Bon, sinon, c'est lequel de tes clips qui a le mieux pris, du coup, pour l'instant? Le clip qui a le mieux pris jusqu'à maintenant, c'est Pamela. Après, j'ai un autre son, mais qui n'est pas sur ma chaîne. Mais c'est celui qui a le plus pris. Il s'appelle Tout va bene. On l'a fait avec 3 petits points, ce son. Il est sorti l'été dernier. Là, on a plus de 136 000. C'est un début, tu vois. C'est un début. Petit à petit. Les 136 000, comment tu les expliques, gros? Comment ils sont venus? Bah, en vrai, t'as fait promo à mort, c'est venu tout seul, c'est comment? On a même pas mis 1 euro de promotion, c'est ouais. Ça le pire. C'est... En vrai, le son, il a grave tourné parce que c'était un son en mode assez funk, tu vois. Et les gens, ils l'ont tous repris, ils dansaient la funk dessus. Grave des comptes TikTok et tout, ils l'ont repris aussi. C'est ici la capitale de la funk, gros. Ouais, c'est ici, frérot. Terrible, c'est là-bas qu'il a été tourné, mon frérot. Mais du coup, on est de quel côté du 8e? Parce que le 8e, c'est grand, il y a plein de secteurs différents. Bah, en vrai, on est à côté du boulevard des États, on est à côté de Gédo. On est entre les deux en fait. Et le 8e, après c'est grand, tu vois. Il y a Villon, Mermoz, Boulevard, Viviani, Quartier J. Bah, franchement, il y a grave des quartiers ici à Lyon, le 8e. Et justement là, Villon, est-ce qu'il y a d'autres rappeurs un petit peu? Ouais, à Villon, il y a d'autres rappeurs et c'est dommage qu'ils soient pas là, qu'ils soient pas présents. En plus, je leur ai dit, ça c'est un problème d'assiduité ça. Ils sont pas assidus. Il y a qui? Il y a Barman 2V, c'est un petit chez moi ça. Ça fait un petit moment qu'il fait de la musique. Ça va, il est bon lui aussi. Barman 2V, il y a Milo VLN. Ouais, Milo qui est présent dans les Dalton aussi. Et voilà, après il y a les autres, mais ils sont pas de chez moi ici là. Ils sont pas du Villon. Puis justement, tu vois, tous ces trucs là, les Dalton, ça. Ça montre que dans le 8e, il y a une bonne entente entre les rappeurs. Franchement, ouais. Il y a une bonne complicité dans le 8e. Après, on parle au niveau rap, tu vois. On parle au niveau rap, ouais, normal, on est bien soudés ici dans le 8e. Et ouais, c'est vrai que les Dalton, justement, ça a pu réunir plein de gens qui n'étaient pas forcément, tu vois... n'étaient pas forcément des gens avec qui on reste tous les jours, mais les Dalton, ça a permis de nous réunir, je trouve. Et c'était pas mal. C'était pas mal, ouais. En 3 litres, je fume la frappe 3 filtrés. C'est inquiétant quand je les vois, ils veulent s'infiltrer. Avec le petit barman là, c'est lui qu'on te disait, frérot. C'est ça, t'as clippé un peu des. T'as fait des trucs ou quoi? Non, j'ai pas clippé encore. Moi, j'ai balancé que des trucs sur Insta. J'ai pas encore clippé sur YouTube, mais ça va arriver là dans pas longtemps. Ça fait combien de temps t'es dedans, du coup, un peu toi? Je suis dedans, ça va faire, on va dire, pour de vrai. Ça fait un an, on va dire. Parce qu'avant, je rappais, mais je sortais rien. Là, je sortais que des trucs sur Insta, mais là, après, on va avoir le temps sur YouTube. C'est quand un feat entre vous deux là? Quand il veut, et ça peut se faire n'importe quand, c'est juste que on a tellement la possibilité d'en faire que vas-y, t'as capté. Ouais, qu'on pourra même pas voilà. D'en faire. Certain. On veut vraiment faire du sale, tu vois, si on propose un truc, c'est vraiment sale, frère. Attends, y'a quoi qui arrive un petit peu là, pour la suite? Pour la suite, déjà, tu vois, comme j'ai pensé beaucoup de clips sur Insta, ça je pense que je vais arrêter. Je sais pas, j'ai pas lancé sur YouTube, hein. J'ai lancé sur YouTube des clips et on va voir si ça prend. Puis y'a vraiment un truc à faire pour moi, je trouve. Ça fait vraiment balancer sur YouTube. Hein. Et quoi, les freestyles Insta, c'est des trucs à l'arrache ou c'est des petits freestyles clippés là, des IGTV, des trucs comme ça ou quoi? C'est des freestyles pas clippés, mais ils sont clippés, mais il n'y a pas de son.
Il n'y a pas de son du genre, c'est moi qui rappe avec un truc comme ça. Ah ouais, je capte. Plus, t'avais un cadre, mais freestyle là. Ouais, il y a moyen, frère. Ouais, t'as vu quand j'aime bien, je lâche le like direct, mon gars. Je crois, il y a moyen, c'est parce que c'est toi qui as partagé en plus. Ouais, c'est un coup. Il y a moyen, c'est ça, gros. Mais tu donnes la force, tu donnes. Oui, il avait like. Voilà. Ah, c'est carré, mon gars, c'est carré. Ah, mais restez branché, l'équipe, on va envoyer du sale dans pas longtemps. Voilà, voilà. Sinon, c'est comment? Puis ici, il y a un peu tout là niveau commerce, je vois, sur le côté là. Ah, frère, je vais pas te mentir. Hein. Ah, t'as vu, je pense, le Villon, c'est vraiment. Frère, c'est à part. C'est ouais. Vraiment un quartier à part du 8ème. Frère, on sort jamais de chez nous. C'est un truc de fou. Ouais, il y a tout, forcément. On a tout, frère. On... Épicerie, ils vendent tout. T'as les produits ménagers, tout ça. On a un coiffeur. On a une boucherie, elle vend de la super bonne viande. Notre coiffeur, il coupe super bien. Callbox, boulangerie, snack. En vrai, on n'a pas besoin de sortir, on est trop bien ici, frère. Ouais, en plus, c'est pas loin de la ville. Ouais. C'est bien, ouais, c'est carré en vrai. C'est pas loin de tout. De fou, et c'est, je trouve que c'est vraiment à part. Je te mens pas. J'avantage trop mon quartier, mais on est trop à part, pour de vrai. Voilà. Bon, toi, ton autre blaze, on va dire, c'est Zepec aussi, c'est ça? Ouais, c'est Zepec. Ça veut dire, pourquoi t'as choisi Z2V plutôt que Zepec? Bah, en vrai. Tu veux savoir d'où il vient mon blaze? Ouais, vas-y, raconte, gros. En vrai, je me suis appelé Zepec à l'époque. Parce qu'en vrai, j'étais matrixé, comme tout le monde, la cité de Dieu, tout ça, machin. Et en vrai, en grandissant, je me suis dit, vas-y, des Zepec, c'est trop vu et revu et revu. Gros, il y en a dans chaque ville, frère. Il y en a trop, dans chaque quartier, juste à 500 mètres, il y a nos Zepec. T'as capté? Et en vrai, je me suis dit quoi? Autant trouver un blaze facile et en même temps qui peut rentrer vite dans la tête des gens. Ça fait, j'ai pensé à Z2V. Z2V, c'est quoi? C'est Zepec de Villon. Tu vois, en abrégé. Ouais, ouais. Ça fait, on a essayé de trouver un autre blaze, tout ça. Et je trouve que même Z2V, ça rentre mieux dans la tête des gens. Voilà, du coup, c'est la fin du quartier par là-bas. Ouais, c'est la fin du quartier. Après, c'est grand, ça va jusqu'à là-bas. Ah ouais? Ouais, ça va jusqu'à là-bas aussi. Parce qu'on pourrait croire, il n'y a que ça. Ouais, c'est grave grand, vrai. Là, on est à l'épicerie du quartier, mon frérot. T'es, il y a de tout en vrai, chat, frère. On va trouver une épicerie ici, elle te sort des boisses américaines, oui. Du pineapple, Franjo. Des Fanta que j'ai jamais vu auparavant. T'as capté, ouais. T'as de la coca vanilla, coca cherry vanille, Franjo. T'as la chérie, toi, c'est la quoi vanille. Ta boisson, frère? C'est quoi ta boisson, toi? Moi, je te mens pas, ma boisson, frérot. En ce moment, j'aime bien la chérie vanille, mais en vrai de vrai, ma boisson, c'est l'ice tea. Hein. Ouais, normal, classique. L'ice tea, frérot. Gros pétou, ça glisse, tu connais. Et à part là où on va aller tout à l'heure, est-ce que ça mange bien ici? Ouais, franchement, ouais. Ça mange grave bien dans le week-end. Je pense qu'on a des très 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 bons snacks. On a lui là le Times Square. Après on va passer au snack de mon frérot au quartier. Ouais. Le Grill and Food. Franchement lui il est terrible de chez terrible. Et c'est après carrément. On a le Burger World, tout ça, mais après ça c'est burger américain, tu connais et tout, on n'est pas dans ça. Mais... Ouais. Voilà. On est que des mastodontes, des tacos. Et justement les tacos, gros. Ouais, il y a une question, j'ai envie peut-être que tu vas. Je sais pas si tu vas pouvoir y répondre, mais déjà, premièrement, est-ce que tu as déjà mangé tacos en dehors de Lyon, gros? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu trouves qu'ils ont une différence? Parce qu'il y a plein de gens, quand je leur dis tacos de Lyon, c'est les meilleurs et tout, ils disent, ouais, mais ils ont quoi de différent et tout, tu vois? Toi, ouais. Tu dirais qu'il y a quoi de différent dans les tacos de Lyon qu'il n'y a pas dans les autres tacos? Déjà, la sauce gruyère. Ouais. La sauce gruyère fromagère, c'est pas du tout la même. T'as vu, c'est. Je sais pas, ils la font à leur façon, remasterisée. C'est pas bon. Après, il y a quoi aussi Je trouve ils sont trop fins les tacos ailleurs. Ouais, tu trouves, ouais. C'est vrai qu'ici, ils sont costauds. Hein, ouais, ils sont costauds, t'as vu. Je sais pas si t'as déjà mangé les tacos à Paname. Ouais, bah ouais, normal. Ils sont grave petits, t'as vu, on aurait ouais, dit des ouais, Grecs. C'est vrai, c'est vrai. C'est grave petit, je trouve. Ouais, c'est pas les mêmes qu'à Lyon. Ouais, pas du pas tout, pareil, ouais. Par ici, c'est terrible, terrible, terrible. Les petits veulent même plus de la terrible, terrible, terrible. Elle est mimée, plein de mimiques, mimiques. Montre-nous un peu, on voit quoi du coup aux alentours, gros? Bah là, mon frérot, on voit mon quartier là, le Villon. Là, après, tu peux voir le crayon de la Perdue là-bas. Tu le verras ah, là-bas. Ouais. Tout au bout là, ouais. La tour oxygène. Après, tu peux voir quoi aussi? Tu vois bah, le boulevard des étages, il faut bien se pencher. Ah, je crois qu'on le voit pas d'ici, mais ouais. Je crois là-bas, c'est quoi? C'est la Duchère, non? Ah, peut-être bien, ouais. C'est là-bas, tout à fait. Oh bah c'est carré, on voit tout en fait hein. Ouais, franchement on voit un peu de tout là. Il y a un autre rappeur de Villon ici. On t'a pas présenté mais là, on va se voir plus en détail. Ouais, on va se voir, tu connais mais là Z2V très important, il envoie du lourd. Merci. Sur sa page, sur son Instagram, sur son Twitch, sur TikTok. Tu vois ce que je veux dire Franchise? Merci. C'est assez mouvementé. Et moi tu connais Milo VLN dans les Dalton, solo.
On est un peu de partout. Ah, là, dessus, lui aussi, voilà, c'est carré, c'est carré. Ça, je pense, c'est carré. Pour terminer, mon ref, j'ai la toute dernière question, gros. Ça même dans chaque vidéo, elle. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Mon frérot, l'équipe de ma ville, l'OL, hein. Ça bouge pas. T'es un tueur, c'est carré, mon gars. Obligé, l'OL. C'est quoi tes réseaux, gros, qu'on te suive aussi? Alors, vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon Instagram, c'est ZDV-69. Après, il y a mon Snapchat aussi. C'est ZDV-69. Après, j'ai TikTok aussi. C'est ZDV.off pour ceux qui veulent aller voir. Ouais, Twitch aussi. Bon, force, mon frérot, on est ensemble. La grande classe, mon frérot, et merci en tout cas. Ça tue, normal, gros. Ma force. Je suis pas ton frère, je suis pas ton ombre, elle veut mi corazón. Elle a pas wahda, elle c'est une michto, elle veut rouler en grosse. Elle veut du cash toute sa vie, elle veut vider mes poches. Mais je ne suis pas ton ami, je roule solo dans la job.